Ouais, bah je pense. Veux-tu une petite poignée de luzerne? Je suis le premier ministre. Hey, je suis assez dingue. Fait que voyons voir une mine là, une autre mine là, puis une là, puis une là. Après ça, on va en avoir une là, une là, une là, une là. Ben une autre là, 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 ben une autre là. Alors, ça fait plus d'une vingtaine de mines. Ah? La rivière, elle, on la met où, dans un entrepôt? Ben, en fait, on va la détourner. La détourner? Ben là, en fait, on va la faire passer là. Là, elle s'en va là. Là, elle revient là. Là, elle dit, bon, quand moi, elle est là. Écoutez. Là, elle arrive là. C'est beau. Là, elle dit, bon, faut que je retourne là. Lucien, c'est déjà décidé, tout ça? Ouais, ben, oui. Un tel projet d'exploitation minière sans nous en parler, mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Ben, Léopold, l'avenir de l'économie. Ben là. Puis j'aimerais que la population ait un bon souvenir de mon travail de premier ministre. Un bon souvenir? Ben. Je pense que j'aimerais mieux un souvenir acheté d'une boutique à Saint-Anne-de-Beaupré. Et ça va se faire avec quel argent, ça? Ouais, y a-tu de l'argent dans les coffres? Il y a combien d'argent dans les coffres? Allons voir sur l'ordinateur, Ben, combien qu'il y a. Écoutez tout le monde, là. Bon, solde du trésor, c'est écrit Ben, c'est ça que j'ai dit. Bon, ben, alors l'argent vient de où? Tout du privé? Ben, c'est des investisseurs. Et des investisseurs de où, Lucien? Bien, de diverses places. Ah, ouais, diverses places, hein? Ouais, t'es déjà allé? Là, on va voir les mouvements écologistes sur le dos, les syndicats de construction sur le dos, les journalistes sur le dos, hey. Mais Léopold! Veux-tu te dire que le jour où tu vas annoncer ça, on va venir travailler pas de dos? Bon, écoutez, on a une belle opportunité économique, là, je comprends pas votre réaction. Alors, vas-tu encore se faire fourrer par des compagnies? Pourquoi tu cries comme si t'étais dans la cuve d'une laveuse en essorage? Je pensais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est signé? C'est signé. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, d'autres choses à faire. On va y aller. Es-tu sûr que tu fais vraiment ça en tant que premier ministre? Mais voyons, Léopold, en tant que quoi tu veux que je le fasse? Ben. En tant que préposé aux souliers d'une salle de quilles? Ben, y a pas un petit défi personnel là-dedans? Oh. Tu veux passer à l'histoire? Léopold. Regarde, si tu veux être dans une histoire, je peux t'arranger ça, moi. Écoute-moi. Une fois, c'était un gars, deux juifs, un anglais, puis toi, dans un hôtel. Je fais ça pour le bien de notre nation. Un produit bio, c'est fait à base d'un animal bio, qui vit dans un milieu bio. Pas de médicaments, pas de vétérinaire, pas de maladie. Quand c'est bio, c'est bio. À la ferme bio, bio. Des vétérinaires, il n'a plus besoin de se faire mettre un bras dans le cou. Ben, c'est bien bon, mon cher Guy, c'est bien bon. T'aimes ça? Ça serait pas une mauvaise chose si tu viens de faire un tour à la ferme. Ouais, ben, je comptais y aller bientôt, hein. Tu comptais ça, ouais? Ouais. Ça donnait combien? Ça donnait pas grand-chance que j'y aille, mais là, je pense que j'aurais pas le choix, hein. Ben, ce serait le fun, tu viens de voir notre procédé. Ouais, ben, je pense que... Veux-tu une petite poignée de luzerne? Ah non, t'es bien fin. Lucien? Oui? Est-ce qu'on pourrait se parler un instant? Oui, Léopold, Oui? Je suis occupé, mais on va se parler sous peu. OK, sous peu, ça veut dire quoi, ça? Ben... En dessous de pas grand-chose? Bon, Léopold... Tu veux qu'on se parle sous un mini parasol comme ceux qui mettent dans les piña colada? Bon, écoute. Je pensais qu'au moins, vous autres, vous seriez de mon bord. C'est parce qu'il faudrait qu'on en sache plus sur votre méga projet de mine. Je suis ministre de l'Environnement. Je le sais! Il y a le film de Richie Garden qui sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui? Il y a déjà un extrait sur Internet, regarde. Une mine, c'est un trou. S'il enlève pas le trou quand ils ont fini du trou, ben il laisse le trou là, puis il reste un trou. Qu'est-ce que ça fait quand tu fais un trou, qu'il laisse le trou, puis qu'il reste un trou? Quelqu'un pourrait tomber dedans. Ils nous ont laissés avec des sols contaminés, des rivières anéanties et la craque à l'air. Non, c'est pas ça. Ben, c'est ça qui est sur mon texte. Bon, je sais, mais je t'ai donné un bout de texte de mon tournage de demain. Hein? Un film qui s'appelle Les filles de la rue. Alors, faut-tu qu'on refasse tout, là? Ouais. Gaston! Oh, ben, Léopold, des fois, faut choisir entre l'écologie puis l'économie. Arriver avec un gigantesque contrat signé nonchalamment sans jamais nous avertir, c'est le contraire de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que t'aurais dû faire le contraire, c'est-à-dire partir avec un minuscule contrat non signé, oui, chalamant, en nous avertissant toujours. En me rasant les genoux, j'ai pensé à toi, et je pense aussi à toi. Oh, car ce
recevoir des tomates. Oh! J'aime autant recevoir des tomates bio. Ah, j'aime ça. Il faut que j'aille visiter leur ferme. Oh. Tu m'excuses? Ah oui, vas-y. Pas mon journaliste que j'haïs. Hey, t'aurais pas un scoop pour moi, mon Ben? Un scoop? Non. Ouais, donc, j'en ai un bon pour toi en échange. OK, mais attends un petit peu, là. Je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose entre le ministre des Transports et la ministre de l'Éducation. Ah, ouais? J'ai vu quelque chose cette semaine, ouais. OK. Ton scoop, toi? Tu sais, la chanteuse Mabona? Ouais. C'est un gars déguisé. Non. Il s'appelle Big Huge Dude. Comment ça s'est su? C'est un des roadies de son spectacle qui était en arrière de la scène, puis ça a l'air qu'il a vu quelque chose. C'est pas sérieux. Ben, merci bien. Bye, André. Tu voulais pas y dire pour le méga projet du premier ministre? Ben, je suis pas capable de savoir ce qu'il y a en arrière de ça. Et le ministre des Transports avec le ministre de l'Éducation, c'est-tu vrai, ça? Oui, garde. Hein? Faudrait qu'ils arrêtent, eux autres, d'aller aux toilettes ensemble puis revenir tout ébouriffés. Ça prouve quoi? Mais comment ça? Je te l'avais dit qu'il faut qu'on se désébouriffe avant de sortir des toilettes. Bon, qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Ben, tu lui diras, ce n'est pas ce que tu crois. Ben, c'est un mensonge. Ben, c'est pas un mensonge. Hein? Penses-tu vraiment qu'il croit que je te dessine des bonhommes sourire ses fesses pendant que t'imites Diane Dufresne à côté sur le lavabo? Puis là, tout le Parlement va rire de nous. Bon, ça va être de courte durée. Que je te disais? Alors, Ben, est-ce que t'as trouvé quelque chose? Rien, Léopold. Ah non? J'ai rien sur le gros projet de mine du premier ministre. Bon, ben, je vais lui parler. C'est quoi, je suis pas sûr qu'il peut vraiment te parler. Ben là, tu penses toujours pas que Lucien magouille en secret? Il a peut-être pas le choix, puis faut savoir ce qui se passe. Oh, mon Dieu, Ben, j'en ai des camions dans l'estomac. Des papillons, ouais. Alors, check-moi la taille, c'est sûr que c'est pas des papillons. Là, faut vérifier s'il y a des entreprises québécoises qui ont déjà reçu des appels d'offres. Ah, puis le projet, ça l'a déjà enclenché? Mon chum, c'est un bûcheron industriel. Oui. Et puis, ils viennent de recevoir un gros appel d'offres du gouvernement. Oh, mon Dieu, je suis pas supposé en parler. Non. Et que je te pèse. Ben, parle-en pas. OK, ben, je vais en parler. Bon. Hey, je suis assez dingue. Mais faut pas en parler à personne. Ben, on n'en parlera pas, voyons. Mon chum, il a reçu un appel d'offres pour raser 50 000 km carrés d'arbres. Ah, oui? Oui. C'est quoi le nom de sa compagnie? Ben là, je peux pas le dire, là. Ah non? Hey, je suis quand même pas une poule pas de tête morte doublée d'une cruche fendue avec du fumier dedans. Ce serait pas la compagnie Attention Timber, l'arbre Votumber Incorporated? Ben non, c'est Gilles Cliche des Friches. Ah! Ah, je l'ai dit. Oh, c'est pas grave. Hey, j'ai donc 20 têtes de restants de mulot collés après le prélard, moi. Fait que Gilles Cliche, c'est ton chum, ça. Oui, c'est mon chum bûcheron. D'accord. Mais l'expression sacrée comme un bûcheron, ça marche pas avec lui. Et sapristi. Et tarabobinette de chocolat. Ah, turlupinouche de bouchon de liqueur à fraise. Monsieur Cliche. Oui? Vous avez été choisi pour le grand défrichage. Ah bon? Il faudra commencer bientôt. Oui, oui, oui. Une de vos clientes? Ben, ça confirme ce que tu m'as raconté. Ah oui, hein? Elle parle d'un contrat de défrichage de 50 000 km². Et puis le nom de l'entreprise, c'est? Gilles Cliche défriche. Mon bébé, t'es une championne. Mais tu me tiendras au courant, OK? Ben, certain, à tantôt. Il y a déjà des appels d'offres. Oui, c'est tout à fait irrégulier comme façon de fonctionner. Le premier ministre est dans le trouble, d'après moi. Oui? Hey, t'es-tu en limousine, c'est à 132? Non, je suis au bureau. Ben, je viens de me faire doubler en milieu rural par une limousine ministérielle. Ils sont arrêtés dans un petit chemin proche de Saint-Raphaël. Veux-tu que je les suive ou... Non, trop dangereux, Guy. Laisse faire. Non, mais comme tu veux. Puis qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Je m'en vais chez mon client de la ferme bio. Ah, ben, rappelle-moi en revenant, OK? Parfait. C'est peut-être la limousine du ministre de l'Agriculture qui est allée en milieu rural. T'as déjà vu un ministre de l'Agriculture aller en milieu rural?
Non. C'est le premier ministre qui est allé rencontrer quelqu'un en cachette. Mais où veux-tu que se cache un premier ministre connu de toute la population? À un endroit que personne ne va croire que c'est le premier ministre, même s'ils le reconnaissent. Bon, alors tu m'attends ici? J'aime pas bien ça. T'inquiète pas, Alexandre. OK. Oui? Oui, ça va être un cheeseburger relish qui coule d'un bar avec une frite. Un beuvrage? Une orange tordue. Ah, regardons ça. Il ressemble au premier ministre. Oui, c'est ça, oui. C'est moi. Ah, oui, c'est ça, oui. Je suis le premier ministre. J'ai mal à mon maman. C'est-tu assez long finir de rire, hein? Bonne journée. À vous aussi, là. Cheeseburger relish une frite. Ah, merci. Coules-tu d'un bord? Ça veut juste enlever le bouchard. Ah! Ah, bonjour. On va s'asseoir à la table là-bas. Ah, d'accord. Oui! Ça va être deux hot dogs all dress. Pas de coleslaw, pas d'oignon. Vous avez droit à trois absences pour 1,99. Bon, ben, pas de ketchup non plus. Un beuvrage? À la ferme bio, pas d'insecticides. Mais comment chasse-t-on les insectes de nos fruits et légumes? Eh bien, tout simplement comme ça. On s'enlève de là. Non, s'enlève de là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, scram, envoie. Ah ouais, dégueulasse, attends pas, me fâche. Attends, tu me fâches? Tu m'as tassé. Hey! Les produits bio, naturels. OK, là, tu me forces à sortir la baguette. Ben, c'est bien bon, mon Guy, on est dans la bonne voie. OK. Mais j'aimerais ça qu'on parle de nos porcs en liberté. OK, de votre porc d'attraction. Ouais. Oui, Guy. Ouais, je suis revenu, puis je te rappelle. Ouais, écoute, c'est sûr que le premier ministre peut pas nous dire avec qui il fait affaire. Pense pas, hein? Mais on aurait une façon de le savoir. Ah oui? On a le nom d'un entrepreneur du projet. Qui? Gilles Cliche des Friches. Ah ouais, sur l'autoroute 15 Nord, là? Je me demandais si ça te tenterait pas de faire semblant d'être un client puis d'essayer de le faire parler un peu. Ah! T'es bon là-dedans, toi. Écoute, je vais essayer d'aller faire un tour demain. Je viens-tu d'entendre celui qui va dénouer une grande impasse, moi, là? Pour l'instant, tu viens d'entendre celui qui s'en va porter des tomates chez sa voisine. Pas des tomates bio. T'es donc ben fin, Guy. Il est temps, le moment que tu manges des aliments bio. Oui, mais c'est quoi la différence? Bon, regarde, maman. Penses-tu que ce brocoli-là est naturel? Ben, je sais pas, ça doit être écrit quelque part. C'est pas écrit nulle part. Je peux-tu voir, Maude? Ben oui, tiens. Des fois, c'est écrit dans le compartiment à batterie. Ouais, ben en tout cas. Non, c'est pas écrit. Je te dis que j'ai des belles tomates. Oh, maman, t'achètes n'importe quelle viande. Hein? Tu l'as-tu demandé si ce bœuf-là a été élevé sans médicaments? Ben là, je trouvais qu'il était un petit peu tard pour y demander. C'est au boucher qu'il faut que tu le demandes. OK, je suis là. Parfait, mon gars, tu m'appelles quand tu veux. À tantôt. 16 kilomètres carrés et que de lézard trempé dans tes répentines. Ça va être un gros chalet? Ouais, ben, c'est sûr que ça, là. Ça serait dans quel coin, ça? C'est à Anachoualagouk. Oh, mais vous devez faire erreur, mon cher monsieur, là, parce que... Comment ça? Ça, c'est en plein milieu d'un projet où je rase 50 000 kilomètres carrés d'arbres. Ben non, ça se peut pas, là, mon terrain, là. Ben là... Qui, ça, qui rase ça? Ah non, ça, c'est confidentiel, là. Ah, il a pas l'affaire à raser mon terrain, lui, là. Ben là, avez-vous le titre de propriété? Ben oui, tiens. C'est un titre de propriété, ça? Ben, c'est le titre... Folichons aux joues pleines. Oh, mon Dieu, je m'excuse, je me suis trompé. Je t'ai apporté le titre du seul film disponible dans le club vidéo de là-bas. Ah, ben là, suis-je distrait? Ça prend le titre de propriété. On se voit, on va m'arranger avec lui, là, qui fait le projet que tu dis, là. Ben, je vous dirai pas c'est qui. Non. Je le sais, c'est qui. Ah, ouais? Je te conseille de faire attention. Le propriétaire de ce compagnie-là, tu veux pas le rencontrer. Non, puis là, vous êtes en train de me dire que le propriétaire de Power Gimmick est un accordéoniste. Power Gimmick. Ouais. Guy, tu seras toujours le meilleur pour sortir les verres du nez de quelqu'un.
Hey, toi et tes idées. J'essaye de te rejoindre depuis 3 heures. Où est-ce que t'étais? Ben, tu m'as dit de passer la journée à me servir de mes gumboots. De ton Bluetooth. Je voulais être sûr de te rejoindre. Ah? J'ai le nom de la compagnie. Ah, comment allez-vous? Ah, bien, merci. Et toi, Lucien, t'es allé faire un petit tour en campagne hier? Qu'est-ce que vous savez? Que le défrichage de votre projet minier est déjà commandé par la compagnie Power Gimmick. Bon, écoutez, cette compagnie-là appartient à International Foolers. Ils sont propriétaires des 3/4 de la planète. Mon Dieu! Ils exploitent l'humanité pour la culture du sucre. Ils ont presque tout le pétrole, la fabrication des armes, l'exploitation à profit des dettes internationales, le marchandage des figurines Bobbleheads à l'effigie de Denise Bombardier. Bon, OK, mais c'est eux qui veulent exploiter toutes ces mines chez nous? Un de leurs hommes, Don Fader, me fait de la pression pour mettre le projet à exécution. C'est eux qui dirigent tout. Ils sont extrêmement puissants, je peux rien faire. Puis Don Fader, vous le rencontrez où? Dans des petits casse-croûtes de campagne, un différent à chaque fois. OK, tout le monde, on va essayer une prise, là. Ouais, si je peux me permettre, Guy. Oui, oui. Tout le monde, ce sont des produits bio, hein? Ouais. Alors, il faut qu'on le sente, là, dans votre interprétation, là, la plénitude d'une patate cultivée sans insecticide, là. OK. Puis les instruments aussi, hein? Le claviériste, tu dois avoir ça, un son de tomate qui pousse sans contribution chimique. Ah, j'ai pas l'air d'avoir ça, non. Mais là, voyons, ça devrait être standard sur tous les claviers, ça. OK, on en part une. Oui, oui. Ça roule. Ouais, quand je... Ben, moi, je dis qu'on a de quoi de bon. Oh, excusez-moi. Mon petit Ben, je peux-tu te rappeler? Je suis en studio. Désolé, mon Guy, mais j'aurais une petite alerte rouge. Ah ouais? Des acteurs pas connus, ben oui, j'en connais plein. Je suis en publicité. Il faut vraiment qu'il ait l'air d'un innocent, là. Ben oui. Bon. Avez-vous déjà vu une publicité? Le premier ministre puis Don Fader vont se parler à ce casse-croûte-là. Ouais. Notre acteur, faut qu'il arrive puis qu'il trouve le moyen d'y mettre quelque part sur la peau ce liquide-là. OK. Qui est un localisateur qui résiste au lavage pendant un mois. Tu sais, il pourrait arriver à côté et dire: « Hey, je te reconnais, toi, mon Georges. » Puis là, il pogne la face de même de: « Oh, je m'excuse, c'est pas toi. » Ouais. Ouais. Tu comprends le principe? Si je le comprends! Mais bien sûr! Juste faire bien attention de pas faire de overacting, là. Ah ben non! Faut pas trop en mettre là! Oui? Oh, je vais juste prendre un Bobby Cola light, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, light. Bonjour. Vous allez pouvoir commencer à annoncer le projet publiquement. Bon, d'accord. Fermons cette portière! Quelle belle journée! J'ai une faim de loup. Que dire? Mais oui, je veux une godille! Avec une frite? Une frite. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec une frite! Mais je ne me trompe pas. Mais c'est Georges! Je m'appelle pas Georges. Mais oui, c'est toi, espèce de petit sacré fou! Tu te souviens à l'école quand on... Pardon, je crois que je me suis trompé, madame la comtesse! Monsieur! Hein? Monsieur, voilà, je me suis trompé, vous n'êtes pas Maurice Richard. Georges! Là-dessus, je prends ma guedille, je pèle l'aubergiste, et je quitte les lieux! Bon, alors qu'est-ce qu'on disait? J'ouvre
la portière! Il a réussi. Yes. On va pouvoir le localiser, on va savoir où il va, d'où il vient. Fait qu'ils vont annoncer le projet? Oui. Bon, arrête donc de parler d'une canne de soupe. Oh, mais c'est pas j'aime ça. Dawn Fader est encore là. Un domaine multimilliardaire à Monaco. Notre homme qui l'a suivi a déjà placé les caméras secrètes, regardez. Ouais, vue imprenable sur l'entrée. Comment ai-je pu céder aux menaces d'un exploiteur? Vous avez eu peur pour votre sécurité, mais là, il peut plus acheter le silence, là. Non, parce que là, on va savoir c'est qui. Puis votre gars qui a posé les caméras, il s'est pas fait pincer, rien? Bill, c'est qui s'en va, là? Ben, on va voir. Excusez? Ouvre la portière! On était-tu obligé de prendre le même acteur face ce bout-là? Puis j'aimerais que la population ait un bon souvenir de mon travail de premier ministre. Ben là, ça voudrait dire qu'ils peuvent également avoir un bon souvenir d'être tombés dans la boîte devant une nouvelle conquête. Encore? X, c'est drôle!